Je. Là. Là. Voilà. Faut que je retire tout le temps le chat. C'est relou. Ah oui. Oh là là là, comment c'est en train de laguer? Bonheur. Et en français? Voilà. Oula, oh, le chargement de level. Un bonheur. C'est bon? Allez. Allons-y, allons-y. Attendez, attendez. Juste déjà, il y a un truc ou pas? Il y a un truc d'intéressant. Attendez, pourquoi je m'entends pas? Ah, d'accord, ok. Donc là, je m'entends en écho. Ok. Alors, qu'on se remette correctement. Alors, eux. Non, elles, pardon. Elles étaient en train de dormir dans une voiture. Et là, ils ont demandé de l'aide. Ah, donc ils vont. Ok, d'accord. Donc oui, ils vont. Ok, on peut rien faire ici. C'est super d'avoir mis ce level alors. Sonnez. Super. Encore? C'est le facteur. Y a pas de son du jeu. Pourquoi y a pas le son du jeu? Pourquoi y a pas le son du jeu? Je pétais un câble? Pourquoi est-ce qu'il y a pas le son du jeu? Oh, j'ai mis le mauvais truc. J'aurais pété un câble. Désolé. Attendez. On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Est-ce que vous avez de la co? Non. Attendez, on a besoin d'aide. Bon, là, après, je vous ai entendu. Bon, ok, rentrez. Voilà. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Louche. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est. C'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider, mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui, tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Non, vous êtes chelou, monsieur.
La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. Oh, comme par hasard. Quoi? Ah. Y a un truc à voir? Non. Le meilleur endroit, bien évidemment. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. 3. Il est un peu bizarre, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. On n'a pas vraiment le choix, de toute façon. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Attends. Non, ça va aller. Tant mieux. Viens, Alice. Par ici, je vous en prie. Oui. Ah, là. Chelou, hein. Ah. Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté, laissez-moi! Kara! Oh, j'avais oublié la gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien... Une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, ça suffit, viens. Tu m'as mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Rejoins-moi dans le salon.
L'ambiance. Merde. Non. Ok. Mais je dois faire quoi là? Qu'est-ce que je peux faire? Non, 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 vite, 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 allez. Dé. Oh putain. Oh non. Je vais faire une connerie là. Ok. J'ai rien oublié, c'est bon. Réparer. Oh, yes, let's go. Retrouver Alice. Ah, au secours. Ah. Ok. Je fais tout ce qu'il me demande. Pum. Non, ça ne peut pas être possible. Il aime jouer avec moi. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Bonne ambiance. C'est qui est le vrai monstre. Regarde ce qu'il nous a fait. Bah les pauvres, c'est pas gentil. C'est pas super gentil, hein, franchement. Attends, est-ce qu'il y a un truc à faire genre ici, non? Non, on peut rien faire. Ok, bon, bah tant pis. Hein. Oula, il y a un truc en face, là. Bonjour. Pas un dé, encore. Ok, d'accord. On se barre. Je vais la laisser toute seule. Je me barre. Oui, c'est dommage. Obligé de la reprendre, genre. Nul.
Oh. Attends, mais qu'est-ce que tu fous? Mais je... Oh là 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 là. Elle est où? Non, merde. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici? Oui, ta gueule. Il faut toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Tu ne devrais pas être ici. Tu n'as rien à faire ici. Non, tu n'as vraiment rien à faire ici. Il va rien faire? Il s'en fout? Si je rentre là. Ah, il s'en fout. Ah, trop bien. Une porte. Encore. Une porte là. Vers le couloir. J'ouvre toutes les portes, tu sais. L'autre là, il se dit pas, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Alice ? Sautons par la fenêtre. Kara, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Non mais la retrouver, c'est après. Luther? Non. Se cacher, mais ici c'est le pire endroit, non? J'ai terminé. Va chercher la petite. Zlatko! Quoi? La petite a disparu! Elle n'a pas pu disparaître comme ça! Elle est forcément quelque part! Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Va la chercher! Il est là! Il faut la maison, on doit sortir avant qu'il nous trouve. Merde, où est-ce qu'on passé? Luther, vas-y, trouve-les, bordel! Non, 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 mais je peux pas, moi. Ferme, ferme, ferme. Mais il reste 8 secondes et je peux pas. Énorme, on est d'accord là. Pourquoi il y a un temps? S'échapper 30 secondes.
Pourquoi ça l'agace fuck là-haut? C'est pas un level qui charge non plus là-haut. Let's go, allez, on se grouille. Ah putain, non! Run. Dun, 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 dun. Ouah, chaud, hein. Oh mais run là, putain, go! Allez, on se grouille. Droite. Fais un effort aussi. Non, non, je te laisserai pas. Cours, cours, le plus. Mais t'as, il a largement le plus le temps de te lever, non? Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là. Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Ah! Bah non, du coup. Non! Non! Je viens de crash. Je déconne même pas, le jeu vient de crash. J'ai envie de péter un câble. Casse les couilles. Secours, bah ouais. Pourtant c'est pas le PC, hein. Le PC il tient normalement. Gueule, allez, lance-toi. Pourvu qu'on repasse pas tout, par contre. Par contre, le flash, là, genre... hein, flemme, quoi. On repasse pas tout. Non, ça va être chiant. Ok. Attends, mais je reviens là. Oh, on va se calmer là. Mais mettez derrière, mais. Ok. Bon. Peut-être dû apprendre toutes les combinaisons de touches en fait. Mais ça va être D, c'est ça. J'ai un doute. Attends, relou. Je nulle là. Là c'est droite qu'on a pris. Hein. Droite. Cherche pas droite, voilà. Quoi? Ouais, ça, super. On s'en fout, on laisse tomber, on continue. On s'en fout, c'est pas grave. Laisse-la. Vas-y Alice. Oh là là, vous aurez pu largement... Cours, Plus vous relever, hein, oh là là, allez.
Je t'avais prévenu, hein? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, on s'y attendait pas du tout. Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Et là, c'est de l'inédit. Waouh! On l'a jamais vu! Waouh! Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Flash, bim. Eh non, par contre, le jeu qui je comprends pas pourquoi est-ce qu'il lag. Je suis dans un menu, je suis à 7 FPS. On en parle ou... Le jeu est vachement bien opti, hein. C'est une blague. C'est un jeu qui a été développé par EA, non? C'est quoi ce... Sous ma gueule? Oui, machin, ok, chez Zlatko. Entrer dans la maison, rencontrer Zlatko, oui, ok. Oui, c'est un joli menu. Bah, s'il le mettait moins blanc déjà, ça arrangerait beaucoup. Libérer les monstres. Ah, donc on aurait pu ne pas les libérer? Dans la réserve. Donc, il y avait encore un autre truc. Pète les yeux. Oui, déjà. Ah oui, donc ça a vraiment fait tout un... D'accord. Ok, tac. Il s'était retrouvé. Se faire repérer. Ah, donc on aurait pu ne pas se faire repérer. Ça a commencé. Bonheur. Kara prend l'escalier. Donc ça aurait pu être autre chose, d'accord. Bah oui, ce serait du coup Luther qui tire sur Zlatko. Logique, allez. Il pleut. Il pleut, j'ai un parapluie, mais je suis un androïde. Tout va bien. Elle est où l'autre là? Elle est là-bas. Je la vois, en jaune. Bonjour, Amanda. Connor. Je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu?
La pluie, ok. Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Quoi ? Il fallait que je le capture ? Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose ? Ah oui, d'accord, oui. Les oiseaux, bien évidemment. Il était fasciné par les oiseaux. On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie. Insectes, chiens, chats. Mais jamais à un tel degré. Quoi d'autre ? Bah rien. Bon d'accord, ok, c'est les vrai. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Ah merde, je l'ai pas eu. Ah mais il va à un endroit carrément. Ah ben non, je comprends pas. J'ai cru que c'était dans sa tête ça. Je comprends pas. Lieutenant Anderson. Oui. Waouh. Je déteste son... sa sonnerie. Peut-être qu'il dort ? Non, je déconne, lol. Avec ce qu'il vient de faire, ça m'étonnerait qu'il dorme, là. Bon bah, ciao, hein. Moi, je me barre. Il s'en fout. Oh, sa voiture, peut-être. Ouais, non mais oui, non. Oh là là, putain, mais les commandes. Oh, ça pourrait être un jeu bien, hein. Bah non, ils ont fait de la merde. Ah, les chiants. Ah, ah. La queue le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue le. Ah bah là, on voit tout, là. Oh là là, un kiki, non. On peut rien faire ici. Non. Regardez aussi, merci. Il y a un chien. Pardon, oula.
petit barbuck. Ah! Lieutenant Anderson! Toqué plutôt, non? Et où? Même pas mal! Du calme, le chien. Je ne te veux aucun mal. Je viens sauver ton maître. Qu'est-ce que... Oh, l'alcool, hein. C'est bizarre, hein. Est-ce qu'il est mort ? 40%. Il veut se buter. Une balle restante. Il est... Bah non, du coup. Ouais. Oh, on va lui mettre des claques. Oh là. Mettre une grosse claque. Debout, lieutenant. Paf. Voilà. C'est moi, Connor. Je peux pas lui mettre une claque encore. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque de faire moi la paix. Android de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Hey. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Bleh. C'est bon. Attaque. Mon chien. T'es où, c'est par là, non? Je sais pas, moi, je fais que Z, hein. Merde, j'ai envie de gerber. T'es ici? Ah, il connaît sa maison. Ok. Ah. Laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. M'en fous. C'est pour votre bien. Froid, froid, très froid. Bouillant, hein, je déconne. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Non. Si vous n'êtes pas en mesure de mener cette enquête, je vais devoir en informer vos supérieurs. Vas-y, tu leur diras que j'en ai rien à foutre. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Alors ? Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville? Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Ah, merci! Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Gros con! Je vais les chercher. Ouais, mais mérité. Que voulez-vous porter? Un string. Non. Alors. Oh, j'ai envie de mettre de la merde. Hippie, rayé, c'est vrai. Oh, j'ai tellement envie de mettre... rien. en vrai, j'en sais rien. Hippie, rayé ou zébré. J'ai envie de mettre hippie. Ah merde, ça m'a dit aller. Il vomit, hein, faites attention. Hein. Il fait bleu comme ça.
ça va, lieutenant? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Là, il a vomi, là, genre. C'est dégueulasse. Oh, hey, c'est bon, ça me casse les couilles. Attendez 2 secondes, là. C'est bon. Oh. Les lags, là, la con. Pourquoi? Échelle de résolution, déjà, tu vas te mettre à 1. Pas de synchronisation verticale. Ta gueule. Il y a... Ah, peut-être ça, ça peut être pas mal. Ultra. Bah, on va mettre en haut. Voilà. Non, texture, on va mettre quand même ça assez haut. Qualité des ombres haute. Flou de mouvement, on s'en fout. Éclairage ultra. Haute. Haute. En fait, on peut mettre les autres trucs, on peut mettre haut, en fait. Hein? Genre tout ça. Mais le reste, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, même ça, en fait, on s'en fout un peu. T. C'est bon. Maintenant, t'arrêtes de me faire chier. Hein? Et... Ok. Oh là. Ok, maintenant ça devrait être mieux. À ce que les troupes russes se retirent immédiatement de l'Arctique. Le Kremlin n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que... Putain, j'aurais dû mute live. C'est pas comme si je l'avais dit, hein. Se précise de jour en jour. Ah. Non, mais non. Hein? Il avait un enfant. Non? Cole Anderson. Il avait un enfant. Oh. Oh ouais. Il voulait mettre fin à ses jours. Oh, ta gueule, ça pose pas de question là-dessus. Allez, tendance suicidaire. Bah oui, quelquefois, je sais. Salut le hippie. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Pauvre chien. Roulette russe. Cool. Nana, ok, ouais, donc ça c'est chiant. Okay. Sonnez à nouveau, inspectez la voiture, inspectez les fenêtres de la chambre, inspectez les fenêtres. Ouais, d'accord. Frappez à la porte. Oh, on a une infraction. Énervez le chien, donc. Comment ça, j'ai énervé le chien de Hank? Je l'ai énervé? Attends, on aurait dû dans tous les cas rentrer par la fenêtre. Bah oui, bah pourquoi est-ce que ça a énervé le chien? J'ai pas compris, là. Il disait Hank, Nian, Hippie. On n'a pas... Ah, Stade du Monde. Du monde, 43% pour hippie. Quelle bande de bâtards. Ok. Ok, d'accord. Bon, let's go.
C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Je sais ce que je veux, moi, d'abord. En vrai, on peut arrêter à 1 minute 30. Je pense. Pas courir plus vite, genre. Ne vous faites pas repérer. Je me fais tellement pas repérer là. Ah. Attention. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Ouais, c'est pas tout droit là? Oh, ça va, hein. Cyberlu. Marcus, grimpe là. Oui? Ils tiennent bien. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Oh, les sauts nuls. Attends, je peux sauter là, genre? Ah ouais, d'accord, c'est bon, ça va. Parcours. Non mais là c'est une blague, c'est pas moi, hein. Le jeu est pas optique. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Ok. Je m'en occupe. Pas du tout le bon truc, si. Ok. C'est pas du tout le bon truc. Viens, genre, on saute direct. Ouais. C'est juste moi qui suis con, en fait. Donc c'est bien ça. C'est ça. Et là, ok, d'accord. Merde. Ça va, rien de cassé. Ah bah c'est sûr, t'as un... Bon travail. Mais ça va, hein, c'est bon. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez c'est tout bon, ce que vous ça va. C'est pas... Moi, je savais qu'on devait faire ça, en fait. Ok, j'ai pas d'excuses, et alors? Je l'ai fait. Merde. Ah. Coucou. Vous salut. Vous trouvez sur une propriété privée. Ah bon? Votre tu penses une infraction de niveau 2. C'est pas je vais prévenir la sécurité. Non, parce que
En fait, on a les autorisations. Et du coup... Ta gueule. J'ai besoin de ton aide. Oh! D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Toi, il faut qu'on parle. Mais pourquoi on lui parle pas? Je dois faire quoi? Oh. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Ok, cool. Emmenez-moi avec vous. Oh merde. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Oh mais vous êtes chiant aussi là. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Ah bon, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a tu vois là-bas? Bah c'est pas là-bas. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Ah bah super. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus. Non mais... Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Dites pas que c'est pas mon PC qui a un problème. Enfin, c'est pas possible. Le jeu est mal opti. Bon, je trouve un patch. Hein. Ça devient relou. Bah c'est pas rapport, c'est comme ça qu'on se fait tout de suite repérer, donc c'est nul. Après quoi ils aboient encore? C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Mais là, y a quoi ici? Mike est toujours dans la zone 4. On dirait bien. Y'a rien ici. On est mieux ici que dehors à patrouiller.
Ah! Attends, mais... J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Mais putain, mais... Ah, voilà, ok. Voler une arme, créer un court-circuit, utiliser les bidons pour faire diversion. Les bidons ? Attends, déjà je sors. Maintenant, allez, hop. Mais grouille-toi, y'a personne! Ils sont rentrés ou pas? Oui. Il était là, on vient de voir une jambe. Salut les filles. Tu l'as trouvé ? Non. Bien joué. Merci. Vite, montez. Serrer la clé. Z. Hop là, on arrête. C'est drôle. Vroom vroom, vroom vroom, vroom vroom. Chargement. On a réussi à voler tout un chargement. On a assez de vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que les androïdes sont libres ici. Libre de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Ça va vous ? Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. C'est bien un jeu qui est mal codé. Hein. Mal fait, mal opti, de la merde. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres.
Bon. Mesdemoiselles, madame, messieurs, messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour. Je sais rien, en fait. Mais. En vrai. On va s'arrêter là parce que ça, c'est un massacre, en fait. Le fait de voir genre, rien que déjà qu'on ait un problème avec l'audio et la vidéo, c'est que ça pue. Donc on va arrêter de jouer. Je vais essayer de trouver un patch pour ça parce que ça devient très relou. Et puis voilà, hein, ça sera déjà pas mal. Donc on va vite arrêter ce massacre, vraiment. Donc voilà. Alors, attendez juste que je suive. Sur le Nord, ok. Il faudra arrêter de la suivre parce qu'elle est stupide. Hein. Marcus est endommagé. Ah bon? C'est pas ce qu'il a dit, hein. Recueillir les pièces de rechange. Apparition du garde androïde. Donc on n'aurait pas pu y échapper. Ok, d'accord, ok. Départ du garde humain. Ok, donc libéré, abandonné même d'ailleurs, ok. John Major dans le groupe, oui, accepter, refuser, accepter. John mentionne la clé. Ah oui, donc ça aurait pu être un autre truc, quoi. Ok, d'accord. Salle de contrôle, tout ça. Voilà la clé et partir. Ok. On stoppe là.